Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est toujours avec même plaisir nous rejoignons dans l'émission pour la Haïti 360 pour nous continuer à faire promotion connaissance utile, connaissance éclairée, j'aime toujours à répéter dans l'émission ça. À ce soir, nous allons parler de yeux, maladie que j'ai eux-mêmes fait face à eux. Nous connaissons en Haïti, tout le monde toujours attribuer des bagages précieux à yeux. D'ailleurs, grand pile proverbe haïtien qui traduit ça. Par exemple, mon maman, mon papa, mon petit, il remet en pile, il dit petit ça, c'est déjà dans la tête. C'est une raison, il a toujours essayé de protéger. Et mais c'est raison ça, tout, nous allons inviter à soi à travers l'émission pour là, pour protéger dans la tête. Parce que maladie j'ai qu'à toucher n'importe monde, n'importe qui l'est, surtout l'offre fait en pile négligence. Et négligence ça yo l'autre rapé maladie géo capable gain gros conséquences sur la vie ou et sur la vie famille. Pour découvrir différents types maladies que Dieu a lui même capable faire face avec lui, nous gain comme nous toujours gain chaque soir un spécialiste qui va venir faire le point avec nous autour des différentes maladies, des différentes maladies des yeux qui va dire nous avec qui cause yo, qui différentes manifestations que yo gagné, qui sont capables de prévenir maladie ça yo et si gagné tout mais des traitements appropriés pour yo et mais qui gens pour faire traitement ça. Je vous invite tout de suite après pour ça, venez découvrir, invité ensemble avec moi, qui va porter connaissance utile, connaissance éclairée dans la caillou à Soya dans l'émission pour la Haïti 360. Renaud Huguens Delijac, c'est invité nous à Soya, médecin de son état et ophtalmologue pour nous garder clair, qui c'est tout membre de la Société haïtienne d'ophtalmologie, c'est lui-même qui invite nous sur le plateau à Soya, qui prend le gain pour venir brasser les diagnos autour de différentes maladies. Ça y est, Jean Dabdoula, que Dieu, eh bien, lui-même, il a un gain qui a fait mon nom soit venir avec ou bien vivre avec sa ndarelle, une déficience visuelle. Docteur Delijac, bienvenue dans Haïti 360. Je salue Edouard, je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent TNH. Et c'est un plaisir pour moi pour me capable avec nous à ce soir et pour me capable porter un peu l'explication. Et ma première m'a remercié toute l'équipe là et pour l'invitation. Je connais ou même à ce soir ou bien branché justement pour venir ramasser connaissances par rapport avec maladie GIO. Et j'aime toujours dire, émission que nous faisons sur la santé en Haïti 360, ce n'est pas émission pour nous faire peur. Mais c'est émission justement pour éviter gagner ça d'arrêter un comportement responsable par rapport avec maladie ça une façon pour pas attraper yo ou bien sous attraper yo tout pour capable vivre avec yo sans que la vie ou pas menacée ou du moins c'est-à-dire équilibre famille ou lui-même pas menacé par rapport avec négligence qu'on est capable faire qui capable faire que maladie ça même aggraver la caille. Faut nous tout dire lui d'emblée gain 253 millions monde par rapport avec chiffre OPS OMS mettez yo et mais sous la terre qui a vivre avec maladie. Là dedans yo gain 36 millions qui aveugle. Donc on comprendre que maladie GIA ben c'est une bagaille qui frappe monde tout côté sous la terre et nous même haïtiens comme monde qui vivre sous la terre nous pas épargnés. Docteur Delijac, l'un dit maladie G, de qui ça n'a parlé d'une manière générale. Et justement, moi j'ai mis introduction. D'ailleurs, on te dit qu'il y a un peu de monde qui a un problème dans les yeux, c'est une petite négligence qui cause lui. Et vous avez des chiffres que l'OMS limite de yo. Et lui-même dit en 2020, si pas gagné fait pour dans pays ça d'ailleurs c'est des chiffres qui baillent depuis des dizaines d'années dit en 2020 2022 d'ailleurs que ça relie vision 2020 vision 2020 et si pas gagné qui fait dans tout pays qui était signé et à quoi ça a il estime que chiffre ça va augmenter là on dit maladie des yeux et ça relie maladie c'est citante maladie qui a fait mon pawe et n'a faut petit campier en Haïti parce que moi contextualiser et ça n'a dit pour nous rester pour nous atterrir pour nous rester dans la réalité haïtienne non? Donc en Haïti et même à travers le monde ça relie la cataracte. La cataracte c'est première cause de cécité à travers le monde. Mais avant m'arriver énumérer et les différentes maladies cécitantes qui t'aime font petit rappel tout court pour me dire en termes de négligence. Parce que je vous dis, il y a un paquet de maladies cécitantes qui est évitable. Donc, c'est des négligences, justement, je vais commencer là, qui fait que les gens débouchent sur ça les maladies cécitantes, les gens ne pas. Donc, je vous dis, alors, faut nous dire, en passant, on a parlé de ophtalmologie. Ophtalmologie, c'est une discipline
qui est responsable qui traite maladie G. Maintenant, ophtalmologie n'a pas fonctionné et pour contre lui, c'est vrai que son spécialité à part entière, mais elle n'a pas fonctionné de manière du moins entièrement à part. Il n'est pas en autarcie. Là. Exactement. Maintenant, au monde qui est enceinte, par exemple, au monde qui est enceinte, faut le suivre et un spécialiste qui est gynécologue, très bien, ou du moins obstétricien gynécologue. Mais au monde qui est enceinte, faut le suivre docteur, parce que pendant grossesse là, si on a une anomalie quelconque, une infection quelconque, qui pas traité, donc on n'a pas fait ça ou est suivi prénatal, très bien. Donc il est capable de déboucher sur un petit monde qui fait avec des anomalies ophtalmologiques, des anomalies oculaires. Qui fait que ti moun nan li fait tout pa wè ou du moins li fait avec des anomalies li gen doit gen boule le globe oculaire mais gen des anomalies nan zye qui fait que le pa wè. Jodi a l'autre problème qui ka fait moun pa wè qui pral déboucher sur ça les maladies sexistantes en Haïti gen ça relé la violence conjugale, la violence familiale. Donc jodi a jusqu'à présent mari avec madame de joie goumé ou bien monsieur bat madame nan ou bien madame nan bat monsieur a. Donc yon nan yon capable victime qui fait que si moun nan prend un coup dans les yeux, très bien, li capable développer des traumatismes, li capable développer des maladies dont le glaucome et la cataracte, et moun nan capable gen des plaies oculaires qui fait que moun nan capable perdre vision non ti badje. Donc l'autre problème encore que ça relé service corporel. Je dis jusqu'à présent dans l'école en Haïti professeur toujours à battre élève, et élève avec élève toujours à jouer entre eux-mêmes, qui fait que un petit monde capable de prendre un crayon, lui mettre dans les yeux l'autre petit monde, qui fait que petit monde ça fait division. Très bien. Et ça nous dit là, yo, c'est des cas qui arrivent chaque jour, à longueur de journée, et c'est des cas qui sont capables d'éviter. Ok? Donc, vous paquet l'autre cas, mais nous rentrons directement dans ça qui est plus courant. Les maladies ophtalmologiques en Haïti, qui est sur eux, te dire que ça relève la cataracte. Alors, on façon très méthodique, nous allons le faire avec le docteur. Et nous avons une listing de maladies que nous faisons, et pour nous permettre que les téléspectateurs, surtout qui regardent nous là, nous sommes capables de suivre l'enchaînement que nous allons faire là, yo, et garder, jeune d'Abdia, cause, et manifestation, jeune d'Abdia, et puis les modes de traitement que nous avons, et prévention. Si possible que vous capable faire pour pas attraper type de maladie ça. Alors faut que nous dit tout et pratiquement 81% dans monde qui a avec sur la terre c'est des monde qui dépassent 50 ans. Donc c'est pour un bagage innocent ça veut dit tout docteur que jeune d'Abdia et même monde âgé yo plus vulnérable en ce qui a trait à la société que l'autre couche. Oui, c'est pas seulement ophtalmologie depuis on a avancé en âge les sujets pour le tomber malade plus rapide qui ont jeune. Donc son bail qui est normal, c'est le vieillissement, c'est la sénescence, c'est normal. Mais effectivement, donc monde qui âgé yo donc, ils sont plus susceptibles de développer un paquet de maladies, dont la cataracte et le glaucome. Mais il faut que nous disions, comme ces maladies sont plus courantes, je parle de cataracte, je parle de glaucome. En Haïti, ça a eu les infections également, que ça a eu les amyotropies, n'a vienne sous ça. Mais effectivement, avec l'âge, ça fait, il y a un peu de monde qui a commencé à vivre la trentaine, 38, 40 ans, il y a un problème pour faire lecture. Et puis, il y a rentré dans un magasin, dans un supermarché, et puis il a acheté une lunette, il met elle. Mais il n'y a pas jamais rendu compte que ça arrive que l'on a une anomalie qui a développé. Question lunette là, n'a pas bien mis parce que il y a un bon conseil de médecins, bon, soi-disant médecins tout, qui dans tout le corridor, je vous dis là, dans le pays, que ce soit dans la capitale ou dans la ville province, qui a séparé lunettes à droite à gauche. Nous avons bien mis ça dans la fin émission, mais avant, on entre d'emblée dans le sujet, qui c'est maladie, ça, qui n'a pas les maladies des yeux, nous allons voir qui est sur eux. D'abord, il y a le syndrome des yeux secs. Expliquez de manière détaillée pour la population qui ça, le syndrome des yeux secs, et qui vient le manifester. En plus, il y a des blagues, il y a des gens qui cherchent, qui ont fait mon rire. Mais effectivement, il y a un syndrome des yeux secs qui existait. Mais il y a un paquet de situations qui sont capables de faire des gens qui ont des yeux secs. D'ailleurs, au monde qui fait toute journée, la travail dans une salle qui climatisée, donc ventilation, climatisation, la séché, l'âme qui est dans les yeux. Parce qu'il faut que nous disions, les yeux sont un organe pour fonctionner de manière normale, il faut le lubrifier en permanence.
et liquide ça qui là dans les yeux, qui ont glande, qui ont une structure anatomique et qui là qui pour lubrifier les yeux, qui les glandes lacrymales. Mm-hmm. Glande ça les supposées sécréter en permanence. Donc pour une raison quelconque, les capables pas sécréter de manière normale. Par exemple, si on a avancé en âge, justement, donc la commencé à développer des yeux secs. Même gens on fille, elle commence à avancer en âge, elle est capable de gagner une sécrétion vaginale qui commence à diminuer. Même gens sécrétion oculaire, elle est capable de diminuer avec l'âge. Donc, au monde, par exemple, qui a monté moto, donc, elle monte moto, la moto n'a pas de casse. Donc, vent, l'air, là, li séché, liquide qui est dans les yeux, mon capable de faire mon avis de yeux secs. Mm-hmm. Donc, un paquet de maladies, par exemple, yon moun qui gen, ça me tape pas l'état, glaucome, non? Ok? Un moun qui gen glaucome, la pet médicament, gen des médicaments qui gen des effets secondaires, qui fait mon qui capable de faire mon développer des yeux secs. Alors, pour nous avancer des chiffres toujours, parce que moi, mes chiffres, yo, pour nous capable comprendre ampleur, et problème non et peut-être gagner côté tout d'ailleurs maladie des yeux c'est carrément des problèmes de santé publique qui adressé et gagner toute une politique de santé qui adressé et type de maladie ça yo gagner 30% dans cas et moun kal nan traitement ophtalmologique justement c'est pour syndrome des yeux secs là d'après ça OPS OMS ils ont mis des yeux comme chiffre donc pas comprendre son bagage pour la légère et d'ailleurs c'est peut-être une maladie des yeux que moun ka plus et fait face avec lui. Bon précision pour me dire parce que grand pile monde qui dit pour ça et les mal l'hôpital yeux m'a fait de l'eau et puis docteur a dit m'gen yeux sec. Justement parce que corps lui-même li gon système qui vous défend ni ça le système immunitaire là. Donc lorsque yeux lui-même li en difficulté on moun par exemple devant et laptop iPad et téléphone et puis les yeux li a bail de l'eau c'est parce que li en difficulté qui fait que yeux réagit pour réagir pour défendre tête li et puis li fait de l'eau. Donc en pile fois moun nan pense que c'est le contraire. C'est des yeux secs que le gagne. Donc effectivement son cas qui est très 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 courant mon yo vin l'hôpital justement mais parfois mon en kon vini tout en termes de traitement t'as parlé ça tout à l'heure. Donc mon obligé et dit mon qui comportement lui gagne et parfois kon bali des lames artificielles qui pour aider lubrifier yeux mais faut que moi dis faut jamais dit tout à l'heure. Donc yeux secs là environnement on dit que l'âme n'a une composition chimique et souvent le laisser de l'eau là bas seulement c'est parce que justement éléments chimiques sont pas entrés là dedans pour permettre que yeux arrêter humidifié. Oui alors on a parlé de cause tout à l'heure tout. Alors faut qu'on dit liquide là l'air sécrété bon canal pour le suivre. Canal ça relève la voie lacrymale. Très bien. Donc pour raison quelconque par exemple quand ti moun yo voie lacrymale là les même l'icône poko déboucher ti moun poko à maturité. Donc puisque liquide là lorsque le sécrété en les yeux a donc faut le descendre pour lubrifier les yeux non seulement lubrifier les yeux li alimenter les yeux également parce que ce tuyau qui est le cornéa qui devant les yeux donc li pas gain vaisseau là-dedans li pas gain m'est capable de structure qui porter sang li pas gain oxygène là-dedans donc c'est liquide ça qui c'est film lacrymal là qui c'est l'âme là qui pour alimenter qui pour bay yeux à manger qui bay cornéa à manger donc bon créole donc pour raison quelconque l'elle finit alimenter les yeux faut qu'il élimine à travers ses voies lacrymales mais voies lacrymales là quand ti moun yo li konn poko déboucher très bien donc puisque le poko déboucher donc pour ta circuler dans voie ça donc il vient tomber sur visage moun nan donc un grand monde tout par exemple s'il gon obstruction dans voie ça pour raison quelconque li gon ça relé un phénomène une maladie que les dacryocystite ou bon dacryosténose li fait que l'âme nan li même li boucher le pas ca descendre et puis il vient tomber sous yeux moun nan et puis moun nan dit est-ce que n'dable par rapport avec explication pour bouti là n'dara dit que ti moun yo justement nous connait avec nouvelle gadget technologique yo et ti moun yo qui très exposé à lumière qui gagne soit dans tablette yo ou bien dans l'autre gadget que yo gagne dans mais yo est-ce que n'dable dit que yo pi exposé à syndrome je sais que là j'en parle tout monde exposé dans question écran. On parle de téléphone, télévision, tablette, etc. Mais effectivement, Timonio est plus exposé. Mais avant de venir dans Timonio, il faut qu'on dise tout le monde qui est devant écran, soit tablette, j'en suis dit là, que ça a en règle de 20-20. Règle 20-20, on dit que chaque 20 minutes, on t'a supposé lever devant écran pour aller regarder loin, pour capable relâcher les muscles qui entourent les yeux. Parce que l'on regarde de près, par exemple, mon café lecture, donc, yeux lui-même lui subit
un phénomène que le phénomène d'accommodation, ça veut dire Zua, monsieur a travail, donc Zua il fatigue beaucoup plus rapide. Et deuxièmement, rétine qui sont structures très sensibles, qui ont des cellules visuelles sensibles dans Zua. Donc, cellules ça, il y a des photorécepteurs, c'est des photoreceptrices que vous avez, il y a des autres molécules dans le rétinal qui est très sensible avec lumière bleue que l'écran ça va émettre. Donc, lorsque fait trop de temps devant l'écran, eh bien, cellules ça, qui est très sensible, eh bien, vous risquez plus capable de détruire de manière prématurée. Donc, je recommande pour tout le monde, c'est vrai que je connais une blague sur ça, chaque 20 minutes, je ne peux pas lever pour déplacer. Mais en moyenne, une heure de temps, donc il n'est pas recommandé pour moi de faire 2 heures de temps affilée devant l'écran sans que le papa ne pose pour le garder loin, parce que le garder loin, je vais lui-même le relâcher et les cellules visuelles au niveau de la rétine, il y a même yo là, où tout entrer dans volet prévention là. Exactement. Est-ce que l'autre élément encore qui entre dans prévention avant de tomber qu'on y a là dans justement, comme on te parle justement de Timounio pour écran, il y a 4 situations qui mandé pour ne pas quitter Timounio devant écran. Par exemple, un Timoun qui fait lever. Très bien. L'elle fait lever, il y a des cellules visuelles qui a dans les yeux qui fonctionnent la nuit. Il y a l'autre qui fonctionnent le matin et la journée pour dans la lumière soleil. Donc ça veut dire les monde fait lever que le grand monde que le Timoun, les elle prend un petit temps pour la vision capable de normal. Parce que c'est une période de transition qui se fait lorsque il sorti dans nuit là pour venir dans lumière soleil là. Donc, au Timoun, il n'est pas recommandé de le faire lever pour gagner écran devant. Ensuite, le bras dormi, il n'est pas recommandé pour Timoun avec écran. Ensuite, au Timoun, cap manger, il n'est pas recommandé pour le grand écran à gauche, tandis que il y a table. Et ensuite, dans la chambre Timoun, il n'est pas recommandé pour nous mettre écran parce que là, ça, nous pas bien contrôlé Timoun. Très bien. Alors, en termes de traitement, pour le syndrome yeux secs, là, qui ça qui existait et je vous dis dans l'univers médical là. Et traitement yeux secs, il n'y a pas un traitement unique pour que ça parce qu'il y a plusieurs causes, il faut traiter cause là. Ça veut dire, un monde qui vient la caille, il y a yeux secs, justement, il y a des larmes artificielles pour calmer mon nom pour lubrifier les yeux. Mais si mon n'a par exemple ou pas identifié cause là ou pas identifié étiologie, eh bien mon n'a fait toute vie là mettre l'âme artificielle. Alors sont les l'âme artificielle, yo c'est goutte maintenant, c'est des gouttes qui fait pour ça directement, yo relie son catégorie ça relie l'âme artificielle. Donc goutte ça lui même il a pour aider mon n'a lubrifier les yeux. Mais par exemple un monde qui c'est l'âge qui fait que il y a un problème ça, donc la obligé continuer toujours mettre goutte. Un monde qui son dacryosténose que il gagne j'en dit tout à l'heure. Donc on a faut traiter cause là. Un monde qui gont dacryocystite qui sont infections dans canal côté liquide dans passer qui boucher canal là. Donc là ça obligé traiter. Donc c'est pas seulement l'âme n'a pas le bali, donc là ça obligé utiliser des antibiotiques ou du moins des anti-inflammatoires pour capable traiter cause là. Donc chaque cause qui vient, chaque gens cause dans il y a on va choisir et traitement qui est approprié. Très bien. Alors nous allons gagner pour nous parler de l'autre maladie c'est glaucome. Tout de suite après, pour nous parler de cataracte. D'ailleurs, docteur a dit ça tout à l'heure là, 35% de la cause cécité gain sur la terre, c'est cataracte là. Donc on peut comprendre que c'est une maladie vraiment macaron qui n'est pas là pour faire peur. Jeune douleur n'est pas peur, n'a pas faire peur, mais son maladie tant qu'on peut éviter, on fait effort pour éviter. Mais avant de nous faire ça, nous prenons pause là parce que deux maladies sont tellement importantes, faut que nous avons temps et bien pour nous bien chiter sur nous, pour même capable bien comprendre qui cause, qui prévention, qui ça gagne comme traitement et qui ça tout ou même capable faire pour éviter ou éviter l'autre monde, parce que quelque part non résoudre problème ophtalmologique yo gon voler promotion et promotion c'est tout le monde et ben qui gagne pour devoir pour faire yo pour éviter que l'autre monde qui bokoto en attrape type de maladie ça yo. N'a tourner tout de suite après pause là pour nous faire le point autour de deux maladies ça yo spécialement. Haïti 360, pas oublié, mais jour c'est la vie, faut qu'on protège le, parce que si on pas protège le, on va avoir un gros problème pour arriver à adapter à l'espace social pour pouvoir vivre là-dedans, parce que nous pas battre nous mentir, bah il est déjà difficile dans notre pays à s'engager pour vivre, aller ouais, sous pas d'engager dans tête pour ta vivre. Qui donc ou gagne pour faire effort parce que femme on dépend de où et tant qu'on kawe pi bien pour bataille, mais pour chercher la vie meilleure pour vous, la pi bon pour vous, la pi bon pour équilibre famille. Docteur, et nous t'a parlé tout à l'heure de question glaucome. 10 populations glaucome qui s'allient et qui cause li
l'homme qui a comme nous, est-ce qu'il y a une possibilité pour nous avoir un traitement approprié pour ne pas venir avec? Parce que tout le monde en Haïti, pratiquement, journée jeudi, avec docteur qui gagne dans tout le corridor, j'aime d'abord dire dans le commencement de l'émission, toujours penser depuis que nous avons un glaucome, c'est avec le capitaine Nipi devant, par quel moyen pour traiter et maladie ça. Ok. Et glaucome, c'est une maladie qui fait peur, non seulement en Haïti, mais à travers le monde. Mais il est important pour nous préciser que le glaucome n'est pas gagné une cause unique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de faire prévention primaire. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas une cause unique. Ça relève des facteurs de risque. Je dis, qui ça, quand tout le monde, justement, je pose la question, qui est capable d'entraîner le glaucome? Mais il est important pour nous dire que, puisque nous disons pas une cause unique, mais il y a des situations, si une, deux, trois réunis ensemble, yo capable de développer ce glaucome. Très bien. Donc, ge sa rele et tension en dans yeux. Ça rele tension intraoculaire. Très bien. Donc, yo considère comme principal facteur de risque qui est capable d'entraîner ou bien déboucher. Détail sur question tension, ça détail. Tension yeux a les différents de tension au monde qui fait tension. Ça rele tension artérielle. Au monde qui hypertendu, mon ango hypertension artérielle, les différents de tension en dans yeux. Tension en dans yeux, c'est lui même qui pour alimenter partie qui en dans yeux et c'est lui même tout qui fait yeux lui même c'est une on est capable de dire un paramètre qui contribue, qui fait que les yeux arrêtent à arrondi. Alors, qui ça fait tension, ça a augmenté? Ça qui fait tension a augmenté. Il y a des compartiments, il y a des structures anatomiques dans les yeux lui-même qui capable faire yeux, qui capable faire tension à augmenter. Parce que tension en son liquide qui forme dans les yeux et cap alimenter les yeux et cap sortir dans un canal qui fait pour ça. Très bien. Donc, les tensions augmentent, ça veut dire liquide d'ali augmenter trop dans les yeux. C'est ou bien il y a trop liquide qui fabriqué. Ou du moins, ce côté liquide là, sorti, il y a bouché tout, ou bien tout a bouché, en bon que il n'y a pas qu'à sortir. Mais dans 98% des cas, ce canal, ça ou le canal de Schlemm, qui lié avec, trabéculum, non? Ça, c'est un terme technique, donc en un mot, son canal qui fait pour liquide dans lui-même circuler. Donc, pour raison quelconque, bon processus inflammatoire, il y a des cellules inflammatoires, il y a des globules rouges pour raison quelconque qui est capable de boucher le canal, qui fait que liquide là, les pages vont côté pour le sortir, il vient gonfler en dans yeux. Puisque le gonfler en dans yeux, il y a une structure anatomique qui joue un rôle important en dans yeux, que les nerfs optiques. Les nerfs optiques là, c'est, on est capable de dire, son liaison. Son pont, ça veut dire qui ça? Ça veut dire si je prends une ampoule qui est allumée, ampoule, ça, monsieur est certain, capable de gagner, doit gagner une génératrice qui en marche. Que le privé, que le public, une source qui alimente l'ampoule. Mais justement, mais un fil courant qui sortit dans la source là, qui peut alimenter l'ampoule là. Très bien. Maintenant, c'est lui-même, c'est le nerf optique qui constitue comme fil. Donc, le nerf optique, il connecte les yeux avec le cerveau. Très bien. Parce que si je regarde là, moi, j'ai trois personnes dans le studio, j'ai deux caméramen et un monde qui accompagne. Ce n'est pas les yeux seulement qui contribuent, c'est le cerveau qui dit, trois personnes qui campent là, m'habitue à l'image là déjà, et trois personnes, c'est trois garçons. Très bien. Donc, c'est le cerveau qui prend l'information, l'interprète. Mais pour l'information arriver dans le cerveau, c'est Zia qui prend information, li transférer via nerf optique là by cerveau. Donc justement, là mon a fait glaucome, la tension augmentée ya, c'est nerf optique ça li tenté ou bien commencer détruit et l'a détruit progressivement. C'est ça qui fait qu'on dit mon nan li bon yeux pété éclairé. Pour qui ça? C'est parce que yeux normal visiblement toute structure yo on moun k'ap gade la l'œil nu li normal. Tandis que moi-même qui ophtalmologue, lorsque je prends un appareil, je analyse tout ce qui a passé dans les yeux. Moi, effectivement, c'est le nerf optique qui a fait. Mais question là, qui a venu dans la tête, qui a regardé l'émission là, vous parlez de tension dans les yeux, mais tension ça, au niveau boulier, qui niveau normal tension dans les yeux? Justement, alors, tension, il n'y a pas de chiffre, nous dit, il y a tel chiffre normal. Pour qui ça? Il varie en fonction de l'âge, non? Ok? Donc, par exemple, un monde qui a 75 ans, les tension qui 28 mm de mercure les considèrent comme une tension normale. Au monde à 40 on a 50 ans les qui a une tension qui a 25 et 24 qui considèrent comme une tension normale. Très bien. Mais au monde qui a 18 40 ans
et généralement, ils considèrent comme tension normale un monde qui gagne une tension de 11 et environ 21 mm de mercure, ou du moins 10 à 21 mm de mercure. En fait, 21 mm, là, c'est peut-être un chiffre, mais on est si, et son cliché, mais il y a toujours bali comme chiffre, comme tension normale. Comme barème, justement. Les cas situés entre 10 à 21, mais un monde, par exemple, qui fait tension, et il y a une tension qui fait glaucome, justement, et pour bien préciser, un monde qui fait glaucome, qui a une tension 21, on va considérer comme une tension normale. Parce que le principal facteur de risque, c'est la tension. Et là, on a traité ce facteur à agir, c'est la tension. Donc, ça veut dire les variés, que ça dans le langage médical, la tension cible. Très bien. Si la tension est trop bas, il n'est pas bon. Si le toit roule pas bon, donc c'est médecin qui pral entendre avec patient sous quel niveau il pral stabiliser ZUA en fonction d'un ensemble de paramètres dont néoptique dont comment intention appelée. Mais docteur Deligia, par rapport avec l'éducation côté là, tout glaucome pas même, gon typologie de glaucome. Justement, attention que 10 populations et ben qui voilà. Type de glaucome, combien type de glaucome qui gagne et qui gens le chaque manifesté caimon. Attention, le glaucome m'a parlé là, il y a le glaucome primitif à angle ouvert, ou du moins c'est le glaucome chronique à angle ouvert. Les gens l'ont tout, mais n'a qu'aimé deux dans ça. Glaucome chronique. Glaucome chronique là, c'est les mêmes qui piquent courant. Ça veut dire que sur chaque trois mounes qui fait glaucome, il y a deux là-dedans, c'est glaucome ça vous fait. Et ça fait, c'est de lui n'a parlé. Mais il y a l'autre type de glaucome, par exemple, un petit monde capable de faire avec glaucome. Il y aurait ça glaucome. Congénital. Donc, au monde, j'aime de dire que l'on doit prendre un coup dans mon monde, il faut un accident, une négligence quelconque, les moutons ne peuvent pas mettre casse et puis le frapper. Mon ça fait un glaucome aigu. Le glaucome aigu, sa tension, mon tension, ZUA, il monte en pile. Donc, mon est capable de perdre division dans 2 à 3 jours. Ok. Mais quand on parle qui parlait souvent là, il y a comme si glaucome c'est mon noir qui t'a plus fait. Est-ce que il y a une race et justement et qui développe glaucome plus que qu'on l'autre? Effectivement, et étudio fait, il remarqué que chez la race noire, glaucome nan li pi fréquent, li pi précoce et li pi sévère. Très bien. Et moi me dit ça, m'étais croisé avec un étranger qui dit pour expérience qu'il fait en Haïti. Comme tu as dit qu'en Haïti, c'est la capitale mondiale du glaucome. Parce que moi-même, je connais fait clinique mobile, je connais aller Cité Soleil, on va quelque côté malé. Vous remarquez que sous chaque 100 personnes consultées, j'ai une moyenne de 10 à 15 là-dedans qui fait glaucome. Et il faut que nous disions, en pile fois, nous faisons glaucome, non, ils ne connaissent pas si ils font glaucome. Très bien. Parce que glaucome n'a pas les qui c'est un ratement de souffle ya, parce que les pagues symptômes et au début ok c'est lorsque le commence à venir dans stade terminal c'est là ça mon âme pral commencer yon anom alors commencer gagner des anomalies par rapport avec ça dit là est-ce que la pauvreté gon rôle que joue dans le fait que mon yo développe glaucome surtout d'ailleurs quelque chose d'ab garder dans pays sous-développé est-ce que pauvreté a gon impact sur ça alors et ma répondre en l'autre façon pour me dire que les maladies cécitantes en général, ils considèrent que gagner 90% des maladies cécitantes, ils jouent, alors 80 à 90% ils jouent dans les pays en voie de développement. 80 à 90% de maladies qui font mon aveugle, qui font mon pauvre, ils jouent dans les pays sous-développés. Et ils remarquent que gagner minimum 80% là-dedans, que ne t'es qu'à éviter. Donc ça veut dire, je dis effectivement, son véritable problème de santé publique, parce que tout le monde est d'accord que, qu'on d'accord ou pas d'accord, Haïti fait partie des pays en voie de développement, ou du moins sous-développé. Donc nous mettons accepter faire cela, que la pauvreté est son facteur aggravant. Parce que pour qui ça? Par le fait que glaucome nan ou pas capable de faire prévention primaire, c'est-à-dire ou même, ou moun pas capable de lever, je dis à vous dire, moi-même, je parle petite, je faire un petit fille, un petit garçon, je fais tout moyen pour le bagage glaucome. Pour qui ça? C'est vrai que je dis à. Alors, nous connaissons un paquet de facteurs qui influencent la santé au monde, parmi lesquels nous gagnons l'hérédité. Donc, au monde pas choisi qui est-ce qui est maman, qui est-ce qui est papa. Et que des maladies, maman, moun nan, papa, moun nan, te fait. Donc, moun nan, li vin héritier. Et maladie, ça. Effectivement, je dis à gens, nous capables de dire, l'hérédité, li constitue comme un facteur de risque. Par exemple, si moun kap kouden la, li gen maman, li gen papa, qui te fait glaucome, moun sa a risque pour développer glaucome. Ça va pas dire forcément l'hyperfait glaucome, mais puisque yon grand-parent, grand-père, grand-mère te développé,
moun sa li même li a risque pour le développer et faut le prendre disposition pour le faire dépistage le plus tôt possible. Donc s'il découvre le plus tôt possible, donc les sans capable font prévention secondaire, donc nous stabiliser maladie et ça fait nous capable considérer sous d'accord que effectivement pauvreté a son facteur aggravant. Pour qui ça? Parce que je dis à un monde qui fait glaucome, mon n'a pas le mettre médicaments pendant toute ville. OK? Et on a besoin de budget automédication, mon je tape acheter médicaments parce que tu dis tel monde est malade dans j'ai tel médicament puis il prend le tomber mettre dans tout qui vient aggraver bagarre. Non, c'est pas conseillé parce que chaque monde, chaque cas, les gros types de maladies, un type de maladie. Alors c'est bien qu'on fait précision ça pour population parce que mon yo en Haïti, yo fait ça souvent. N'était malade, n'était tel médicament danger moins, mon envie malade danger tout. Il dit bon et comme ça était bon pour moi, je prendre tout. Non, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé avec. Là là m'a ba un petit exemple rapidement pendant dit ça. Gayon médicament yo bay pour glaucome. Yo médicament, mais médicament ça si mon n'a par exemple, il souffre oppression, ça relé asthme dans langage médical, mon ça pas prendre médicament ça. Très bien. Ça veut dire si mon un monde ou bay médicament ça qui passe asthmatique ou bay médicament ça qui utilise en bonne et due forme. Donc un monde qui a même problème ou bien l'autre problème ou dit au moins des petits bagon petit goutte pour yeux les bon même médicament ça. Donc on même des problèmes d'oppression. Donc son exemple que je prends, donc il est capable de déboucher son crise d'asthme, il est capable de faire même monde perdre la veille. Alors, l'autre élément qui est extrêmement important, c'est vrai, nous garder toute cause, nous garder justement facteurs aggravants, pour permettre que le monde lui-même est plus disposé pour gagner un type de maladie. Mais en garder les traitements, nous connaissons les chirurgiens. Il y a un peu de monde qui dit, et un peu de problème, comme pour résoudre, c'est par la chirurgie pour passer. Et qui sont dit en dans le débat ça? Bien, et il y a un monde qui dit, glaucome. Pas gain opération ou bien pas traité. Alors faut dire là où dit médical et maladie à pas traité, ça veut dire que ça relève les maladies chroniques. Par exemple, si on prend le cas de monde qui fait tension, faut dire en passant, étude de révéler que en Haïti, maladie qui tue plus monde, c'est tension. Alors des fois émission sur ça déjà téléspectateurs voilà. Ont vraiment édifié autour de questions hypertension artérielle. Très bien. Donc ça veut dire hypertension artérielle c'est maladie chronique. Même gens glaucome dans son maladie chronique. Ça veut dire son maladie ou appelé pour vivre avec elle. Donc médicament ap mete yo là pour stabiliser maladie ya, pour que maladie pas fait dégâts. Parce que une série de dégâts maladie elle fait dans yeux par exemple glaucome non, des dégâts elle fait yo, c'est des dégâts irréparables. Et il est important pour nous préciser que si on monde li aveugle, ça veut dire non voyant parce qu'on est aujourd'hui avec question stigmatisation. Il va dire aveugle ou dire non voyant ou dire mal voyant. N'a bien pour nous recevoir ici à monde qui en charge de l'intégration mon handicapé justement et question non voyant et question et mon a besoin spéciaux. N'a bien pour nous débattre là mais aujourd'hui n'a pas le faire effectivement et en avance. Donc au monde justement qui fait glaucome. Donc mon ça lui même lui appelé pour mettre médicament pendant toute ville. Donc ça fait le grand portée économique parce que mon a fallu besoin corps pour le bail l'acheter médicaments. Et dans la question opération, oui, glaucome capable d'opérer. Mais en pile fois, il y a des chirurgiens qui paraissent opérer les gens. Pour qui ça? Parce que l'approche est différente dans un pays en voie de développement et dans un pays industrialisé. Non seulement il y a un aspect d'accessibilité, il faut que les gens aient moyen de opérer. Et deuxièmement, les gens ne pas comprendre. Parce que les gens fini opérer, vision en tant donc, mon attend que le bral vision va l'améliorer. Donc, il est important pour me préciser, ça me paraît très important pour tout le monde qui attend des émissions. Donc, un monde qui opère pour glaucome, il n'est pas opéré pour le vin moins clair. Il n'est pas opéré pour vision améliorer, mais il opéré pour le stabiliser. Pour vision pas détériorer. Vision pas détériorer. Contrairement, nous parlons de cataracte. Contrairement, si on opère pour cataracte, tout va bien passé, on respecte le principe là, vision lui-même est nettement amélioré. Mais au monde qui opère pour glaucome, vision pas la blague améliorée. Alors, c'est ça qui fait que chirurgien qu'on est découragé parce que et mon a plein sous opéré pour glaucome et puis moi même gens ou du moins moi et me fait moi mal toujours ça qu'on est découragé chirurgien yo yo qu'on pas envie opérer pour mon glaucome. Alors, si vous comprenez bien. Ça veut dire que l'homme monde fait glaucome, il pas nécessairement à déboucher sur vin aveugle. Donc mon n'a toujours gagné une vue qui pas trop correct mais sans que il pas obligé aveugle pour autant. Moi-même, il y a des patients que j'ai rencontrés qui disent que j'ai 20 ans depuis qu'ils ont mis des médicaments pour glaucome et jusqu'à présent, vision est conservée.
Donc c'est vrai que ce monde est aveugle, c'est le commun qui fait l'aveugle. Donc c'est un cas irréversible, c'est-à-dire pas qu'à rejoindre vision encore. C'est ça qui fait au monde, il faut faire check-up et bonheur. Mais au monde qui fait glaucome, ça ne veut pas dire qu'il y a un candidat pour aveugle. Il suffit que le monde suive le docteur régulièrement, il respecte et capable de prescription, les respecter conseil de Bali. Donc au monde qui gagne glaucome, ça va dire que mon parle avec. Donc il est important parce que j'aime dire là, il y a monde qui fait 25 30 ans à mettre médicament pour glaucome. Très bien. Donc chaque fois où ouais ma maladie a pris bonheur, donc pronostic pour mon qui a vision est beaucoup plus élevé. Très bien. Nous allons tomber dans cataracte ou surtout avec glaucome là et en long et en large, je pense que le docteur a fait une belle traversée pour permettre que vous plus ou moins comprendre la maladie ça, différentes manifestations que le gagne, différents types glaucome qui gagne tout et ça qui a existé comme traitement, bien que traitement n'est pas définitif, cependant, il y a des traitements qui permettent que, ou pas arriver, genre, le docteur Abdillah, vu nos candidats pour venir avec puis devant, ou conserver la vue, même la vue à gagner n'a pas fini trop normal, mais au moins, ou pas avec, ou capable de boire toujours. N'a pas tombé dans le cataracte, je viens d'Abdullah, 35% de monde qui est aveugle sur la terre, mais son cataracte qui a été développé, d'après ça, au PSOMS MS dit, nous allons regarder avec le docteur, mais qui sa cataracte là, qui sa gagne comme manifestation et traitement pour lui, qui sa traitement pour lui, et qui j'en monde capable de prévenir maladie ça, tout docteur. Ok. Alors, avant de continuer, il faut que je dise que tout ça nous dit là, yo, yo même pour continuer capable de faire objet d'une émission. Très bien. Ça qui arrive que mon confrère Captain D, qui dit, donc, de Jacques pas dit tel bail, et ou disposé dit tel bail. Donc, chaque samedi là, il objet d'une émission. Mais comme nous avons vu. Alors, pas oublier, docteur, émission ça a une mission, faire promotion, connaissance utile, connaissance éclairée. Exact. Dès pour nous capable pour ton grain de sel, pour ton petit lumière, plus en un débat, mais espace là ouvert pour vous, il suffit qu'on fait de maintenant et puis nous avons reçu ici, parce que nous là pour nous porter lumière pour tout le monde qui garde l'émission ça, les lundis, mercredi à 9h du soir sur la télévision nationale d'Haïti. Très bien. Nous avons rentré qu'on a joué là dans la cataracte. Cataracte, c'est une structure dans les yeux qui est cristallin. Cristallin, c'est un organe. Et qui facilite le regarder pour éclair. Par exemple, l'homme on a regardé un ensemble de rayons. Nous sommes toujours même dit ça pour mon ouais, gagner des stimulus qui c'est lumière qui porte lumière en dans yeux, mais pour lumière arriver en dans yeux au niveau des cellules photoréceptrices. Donc faut que les traverser ensemble des structures. Et structure ça là pour focaliser tout rayon incident qui a privé dans yeux pour le focaliser en un point. Maintenant, c'est surtout ça qui est le cristallin qui joue un rôle pour être capable de focaliser tout ça qui a vu. Parce que si par exemple, on a 10 images, maintenant c'est voir, il faut le voir une seule fois. Ça veut dire le focaliser en un point. Même quand après 10 bagages, il y a 10, 20 rayons qui ont sorti à droite et à gauche, mais il y a focalisé dans la rétine sous un point. Et c'est surtout ça qui joue un rôle important en aspect ça, qui c'est cristallin. Maintenant, dans le cas de cataracte là, donc c'est cristallin lui-même qui vient et m'te capable dit opaque. L'aime dit opaque, c'est comme si vous pour une vite machine. Une vite machine, c'est une structure qui est transparente. C'est comme ça cristallin est. Mais si par exemple, vite la vient teinté, ou du moins, si vous la rideau, ou la boue, donc justement, les salvin opaque, c'est même genre cristallin lui-même. L'aile opaque, c'est-à-dire, il perd du transparence là. Ça veut dire rayon lumineux, rayon lumière là, il est pas capable de rentrer en dans rétine pour essayer de recevoir pour voir le bail ses voix. Donc là ça qui ça peut passer. Donc le docteur doit opérer ou du moins s'il veut qu'on arrive dans ça d'avancer, il doit avoir des prescriptions des verres. Mais quand on a par rapport avec maladie des yeux, justement pour tomber dans cause yeux en pile médecin et puis organisme de santé international fait croire que son maladie qui puisse lier avec la vieillesse. Est-ce que ça veut dire que monde qui plus jeune pas qu'à développer et cataracte là? Oui, effectivement, et première cause c'est la vieillesse. C'est-à-dire tout le monde. Si tout le monde a vécu 100 ans, donc 95% du minimum a une cataracte à un niveau ou bien à un autre. Il faut qu'on dise tout le monde qui a une cataracte n'est pas obligé d'opérer. Ça va dépendre des moyens, ça va dépendre de qui paye la vie, ça va dépendre de la profession, est-ce que c'est un monde qui a besoin de vision qui fine. Donc, il y a un ensemble de paramètres qui doivent mettre en évidence avant d'arriver à opérer au monde. Donc, il y a 10 personnes qui ont une cataracte, il y a un seul qui mérite d'opérer, donc l'autre est capable de fonctionner même lorsque la vision n'est pas totalement claire. Alors, données dit, et il faut venir avec données, parce que je suis extrêmement important dans l'émission. À partir de 65 ans, la majorité de monde qui a vu sur la terre est développé au moins en forme de cataracte. Très bien. Alors, et, je souhaite dire là, après 65 ans,
pour arriver, j'aime dire, à X, donc au sujet pour développer cataracte là. Et tout à l'heure, tu parlais de 35%. Justement, lui-même, il est jusqu'à 45-47%. Donc, je dis à, dans tout pays sous-développé en particulier, cataracte là, c'est la première cause de cécité à travers le monde, surtout pour les pays en voie de développement. Et c'est une cause évitable. Je dis évitable, les gens qui disent qu'on ne peut pas éviter la vieillesse, mais justement, si mon nom est dans la vieillesse là, les cataractes là, on est capable d'opérer. Très bien. Mais il y a un pile de monde malheureusement dans le pays là, dans les coins et reculé, qui a une cataracte là, malheureusement, qui n'est pas capable de bénéficier. Mais est-ce qu'il y a des bagages, des préventions que mon nom a fait avant 65 ans, justement, pour éviter qu'après 65 ans, que le développer cataracte là? Gain des préventions, mon n'a capable faire. Donc c'est vrai que mon n'est pas capable éviter que les vieux, mais par exemple, au monde qui fait ça relais maladie sucre. Au monde qui fait diabète. Donc diabète a son facteur aggravant. Très bien. Ça veut dire si par exemple, ou t'as pas le cataracte à 65 ans, donc au sujet pour gain depuis à 25-30 ans. Donc ça veut dire si au monde gain diabète, gain sucre là, en termes de prévention, faut moun sa suivre docteur interne ici. On a parlé de plusieurs disciplines qui connexes. Donc faut moun nan suivre docteur pour être capable de stabiliser le sucre là, parce que si le sucre lui-même n'est pas stabilisé, il est capable d'entraîner un paquet de maladies dans les yeux, dont cataracte. Très bien. Donc faut moun nan suivre docteur pour le sucre là pas monter. Ensuite, gè sa relé et moun kap travay et dans le soleil. Donc lorsque Dieu a lui-même li tout temps exposé dans le soleil, donc moun sa li sujet pour le capable développer cataracte. Pendant on parle de soleil là, nous connaissons des professions côté moun vraiment très exposé à ça dans la lumière vive là dans bon studio en Haïti, moun kap travaille dans fonderie dans côté moun fond de fer. Est-ce que moun sa yo c'est des moun qui très exposé à cataracte là? Justement, non seulement moun kap travaille dans question bail studio, mais tout moun qui expose, cap travail, qui toujours exposé dans la question lumière, soleil, même gens pour les gens qui sont écran, je me dis tout à l'heure. Donc, un paquet de maladies est capable de développer prématurément avec exposition prolongée au soleil. Ce n'est pas un monde qui est sorti là et puis. Donc, c'est des capable de dire les gens qui sont exposés de manière prolongée. Donc, les gens sont capables de développer la cataracte de manière prématurée. Mais pour pas qu'il y ait cause, par exemple, un monde qui a l'autre problème dans les yeux, un monde qui a le glaucome, justement, son facteur qui est capable de développer la cataracte là. Un monde qui a, par exemple, la myopie, la myopie forte, son monde, par exemple, qui n'est pas loin du tout. Et qui peut ton verre, et puis verre il est très épais. En créole, on dit verre à poisse. Bouddha bocal. Exactement. Donc, c'est des facteurs. Je ne dis pas tout le monde qui pour qui meilleur pour aller développer cataracte, mais c'est des facteurs qui sont capables de faire mon développer cataracte. Alors, gongons en mieux, monsieur. Ensuite, l'autre cause que je ne pas dit qui est très courant, ça nous traumatise. Donc, au monde qui a pris un coup dans le jeu, au monde qui tombe et qui fait accident dans le jeu, sont causes courante que lié, donc faut nous prendre précaution pour nous apporter mon dos, pour nous décasser, etc. Alors, il y a une émission qui t'est posé des questions, ça, une question que je trouve qui est censée, ma pose le boulot là, dans l'émission. Est-ce que nous sommes capables de à la fois cataracte et glaucome, nous avons parlé de lui tout à l'heure? Justement, au moins qui a un glaucome, là, je vais te faire une petite précision. Parfois, nous avons une clinique là, les deux viennent faire des pistages pour glaucome pour regarder est-ce qu'il y a un glaucome parce que le glaucome a une famille qui a gagné. Très bien. Donc, il y a toi, résultat capable de jouer. C'est ou bien d'emblée, mon nom fait glaucome, ou bien il n'a pas fait glaucome, ou bien mon nom son cas suspect. Les gens sont cas suspect, les gens peuvent faire des examens approfondis, ou peuvent suivre, ou peuvent faire rendez-vous, ou bien chaque 6 mois, ou bien chaque 1 an, ou bien chaque 2 ans, pour capable suivre l'évolution. Mais parfois, on dit mon nom, ils sont cas suspect qui demandent pour suivre régulièrement. Et puis, mon nom a un titre, le cap tombé dans les yeux, mon nom est en pantin, il dit que et glaucome non lui-même est aggravé. Donc glaucome c'est une maladie parmi un ensemble de maladies mon nan capable de développer. Donc on moun qui doit gagne glaucome, il gagne cataracte, on moun qui doit gagne glaucome, il gagne cataracte, il gagne myopie, on moun qui doit gagne cataracte, glaucome et puis développer infection. Donc un ensemble de maladies capable présent à la fois, ça pas veut dire que depuis gagne glaucome ou pas gagne autre maladie. Alors juste avant que nous prenions deuxième pause dans l'émission, on permet que docteur a fait typologie cataracte pour nous jeune défel et pour question glaucome là tout à l'heure. Oui. Alors là en typologie cataracte, gagne plusieurs types de cataracte.
Il y a une cataracte sénile qui est liée avec l'âge. Il y a une cataracte qui est des causes locales, c'est-à-dire c'est des maladies dans les yeux ou qui ont une cataracte. Il y a une cataracte centrale, il y a une cataracte sénile, ou non, une cataracte systémique, c'est-à-dire c'est des maladies ou qui ont un corps qui va aller. Nous avons pris exemple de diabète. Okay? Ensuite, si nous voulons rentrer dans l'ensemble, nous avons parlé d'un type de cataracte. Ou bien ça, les cataractes congénitales. C'est une cataracte automatique là déjà. Il fait avec elle. Ensuite, dans la cataracte à tout, on doit avoir une cataracte totale ou du moins partielle. On est capable d'avoir une cataracte qui est une cataracte nucléaire, là, et qui est mis en yeux, ou du moins une cataracte qui est en périphérie. Ensuite, on doit avoir une cataracte, on doit avoir plusieurs cataractes, mais tout pas demander opération. Très bien. Donc, la cataracte n'est pas mature, ou du moins elle doit être mature, elle doit être hyper mature. Il est capable même de développer son autre forme que les cataractes morganiennes, ce terme technique qui dit que mon nom est supposé opérer et le plus rapidement possible. Et selon ophtalmologue, qui est capable de voir son monde de cataracte ou pas? Non, et n'importe médecin capable de diagnostiquer un cataracte, mais en pile fois, il y a un leucome, il y a un petit partie qui blanche dans les yeux. Une petite tache blanche, justement, et il y a un confondu avec cataracte, mais son diagnostic qui est facile, même au monde qui va un domaine médical capable de poser diagnostic en glaucome. Il y a une cataracte de préférence. Traitement au docteur qui ça oui. Traitement cataracte. Et si cataracte n'est pas mature, n'est non mature, ou capable de faire des examens pour mon nom, ou capable de faire fondoscopie pour regarder qui est ta rétine, ou capable de faire réfraction pour mon nom, c'est le terme technique, ça veut dire on peut regarder si ou bail mon nom lunette, est-ce qu'il est capable d'améliorer vision. Mais là où améliorer vision là, et c'est pas ça va veut dire que cataracte lui-même est effacé ou juste aider en façon pour être capable de fonctionner, mais faut qu'on dit lunettes ça c'est pour lunettes où on regarde on doit trier on choisir ce qui est bon pour vous. C'est un monde qui vient en clinique ou fait des tests avec des appareils bien spécifiques pour lui, donc on fait ça relie la réfraction objective mon les marcher les garder comment ça est, ou faire une faction objective, ou les gros paquets, l'autre examen on fait pour lui, pour garder pour est-ce que les bien ajusté. C'est pas un monde qui va venir à dire trier ça qui est bon pour vous, mais c'est des examens bien spécifiques. Bien content déjà dans pas sa émission, ou qui est amorcé que ce lunette là. Nous allons prendre une deuxième pause dans l'émission, parce que c'est fondamental que nous reposons ça, et pour nous entrer dans la dernière ligne droite là vraiment, parce que nous pensons deux plus gros maladies, des maladies, nous capable dire monde, et mais qui finit par s'en d'arriver, les vina règle là. Eh bien, nous sommes nous allons regarder l'autre maladie qui est dans les yeux. Nous allons passer sur le pied. Je pense que nous n'avons pas vraiment de temps pour nous parler de tout. Parce que la maladie est vraiment en pile, Jean-Docteur Abdil là. Et puis nous allons regarder tout qui ça, qui a fait pour essayer de permettre que nous sommes capables de prévenir par rapport avec la maladie Géo. Et puis tout, eh bien, qui est capable de combattre. Question docteur charlatan qui a marché tout partout, mais séparé lunettes, Jean-Docteur Abdillah, bah, nous, qui Jean, Société haïtienne d'ophtalmologie, nous, même t'es capable un coup de main dans ça. Mais pour nous faire ça, c'est tout de suite après pause là, avec docteur qui est avec nous au plateau, qui a porté toute précision pour nous en matière de maladie G en dans l'émission pour là, Haïti 360. Haïti 360 n'a pas les maladies. J'ai pas oublié. Géo, c'est la vie ou obligé de protéger pour capable de kembe équilibre famille, mais tout équilibre tête tout parce que Géo, c'est lui permettre pour ouais, mais qu'on capable, j'en ai dit à vaquer à occupation, permettre pour porter la vie mieux pour vous et pour famille, et permettre tout qu'on fait projection dans le pays ça parce que j'en ai dit à bagaille difficile, l'homme qui est youn dans le sens où il est encore plus compliqué, et bien pour vivre plus bien en dans la société. N'a fait toute précision pour autour de maladie Géo avec docteur Elija qui est avec nous sur le plateau. Déjà nous passer en revue, eh bien, on sait une maladie qui est très courante, vraiment très courante en dans la société haïtienne et un peu partout à travers le monde que nous rencontrons maladie ça. Là-dedans, on a parlé de syndrome du sec, là, nous parlons tout de cataracte, nous parlons de glaucome. Nous allons regarder avec le docteur, mais l'autre maladie, très rapidement, nous ne pouvons pas faire tout détail que nous avons fait, mais pourquoi une maladie, parce que vraiment temps est arrivé sur nous. Mais nous allons regarder en gros, et qui sa maladie ça et qui j'ai manifesté très rapidement. Docteur, mis à part cataracte, glaucome et puis maladie du sec, nous avons parlé tout à l'heure, qui l'autre maladie en Haïti, que ou même par rapport avec ce qu'on a clinique, et bien ou rencontrer et on dit casse plus. Ok, alors avant de rentrer dans la question ça, permettez-moi de faire un petit rappel tout court pour nous dire que puisque le cataracte est constitué de 35 à 45% des cas de cécité, donc nous sommes obligés de faire un petit zoom sur lui. Donc
principal traitement cataracte, c'est opération. Très bien. C'est opération, mais c'est pas n'importe type d'opération. Mm-hmm. C'est pas au monde cataracte et puis je entre dans n'importe salle d'opération, mal opéré. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc actuellement, il y a uniquement en moyenne 12 salles d'opération qui sont disponibles pour tout pays. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, 12 salles d'opération qui sont disponibles pour tout pays. Et il y a en moyenne 9 là-dedans qui uniquement au niveau de la zone métropolitaine. Mm-hmm. Et qui moun ki ka opéré moun pour cataracte, c'est un chirurgien ophtalmologue. Combien qui gagne dans tout pays, c'est 69 qui gagne. 69 là gagne environ 25 qui dans l'âge de retraite qui pas ka opéré. Tête chargé ou là. OK. Mm-hmm. Donc là on parle gon chiffre ou gon petite quantité ophtalmologue qui veulent opérer, qui ka opéré, mais parfois on envie opérer, yo kon envie aider population mais pas gagne salle d'opération disponible. Alors justement avant de finir avec cataracte là net pour nous tomber dans notre maladie docteur. Il y a des monde qui parlait de lumière blanche, lumière vive qui gagne dans machine le soir l'op conduit, d'avoir des nèg là gagne gros projecteur, gros spotlight devant machine yo et ben qui a frappé jour. Est-ce que le fait que on monde à répétition exposé à type de lumière ça capable venir déboucher sur une maladie jeune n'a pas là. Pas bon pour yeux, n'est pas bon pour yeux, même toujours même dit ça. Ça, c'est un véritable problème de circulation. Mm-hmm, mm-hmm. C'est un problème de circulation parce que à l'étranger, généralement, on voyage où elle, la machine qui vient en face de soi, qui fait croisement, elle passe bien loin. Mm-hmm. Mais ici, tellement pas de route, la machine qui vient en face de soi, c'est cocher pour le passer, qui fait que la lumière gagne que le petit. Que lumière vive, donc justement, lui entraîne un éblouissement dans ce qui a même fait accident et il y a un impact sur le retina. Puis le fameux a plein vindim, a dit que parfois c'est camper au camper, passer maintenant un visage avant que puis ouais puis continue justement. Il y a des lumières exposées avec lui qui fait jour fort mal carrément. Lumière qui doit vivre, même dans le téléphone, il y a une dimension pour ajuster luminosité. Donc, circulation, ça, son véritable problème lié. Donc, je pense que l'autorité est supposée agir dans l'aspect ça. Très bien, on tout changer rapidement. Oui, vous avez posé la question de l'autre maladie qui est courante. Il faut qu'on dise en Haïti que ça relie les infections. Infection, nous connaissons en Haïti, que ça relie les grand-grands, et conjonctivite, azoumounou. Il y a des périodes que nous avons des pics, nous avons des épidémies, mais son germe, son maladie qui est toujours en situation d'endémie, donc le toujours présent. En situation quelconque, soit poussière ou un problème quelconque, capable de faire un grand pic d'épidémie. Donc les infections sont très courantes en Haïti, nous avons pris le cas à eux. Ensuite, nous avons les amyotrophies. Alors, on parle d'infection. Est-ce que l'infection est capable de déboucher? Parce que, et gros loi, c'est glaucome avec cataracte. Est-ce que l'infection est capable de déboucher sur glaucome avec cataracte? Bon, et au monde qui a une conjonctivite, par exemple, et li pa pral bay glaucome on dit le genre on dit azoumounou il pa pral bay glaucome mais par exemple tu as parlé de cataracte par exemple on moun ki gen ça relé yon uvéite on moun ki gen infection son infection qui associé avec yon inflammation donc on moun ki gen inflammation ça qui son uvéite donc li capable développer son cataracte. Très bien, mais jusqu'à présent et pas gon infection unique qui est capable de développer sur le glaucome. Donc, le glaucome, c'est d'abord, nous disons, c'est tension aux yeux, c'est histoire familiale. Mais il faut que nous disions en passant, il y a des gens qui ne sont pas dans la famille qui fait glaucome. Et bien, qui développe maladie. Justement, qui développe maladie. Très bien. Alors, mis à part uvéite, on parle tout de conjonctivite. Qui l'autre maladie, yeux qui piquent courant c'est, ou quoi? C'est ça, les amyotrophies. Amyotrophie, c'est les gens qui ont un problème qui ne peuvent pas bien. Il y a des gens qui ne peuvent pas loin. Il y a des gens qui ne peuvent pas être prêts et des gens qui ont tout avec l'âge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire presbytie? Donc, presbytie, il n'est pas. Les petits frères amyotrophie, mais ils ne sont pas classés vraiment dans l'amyotrophie. L'homme dit amyotrophie, sont des gens qui ne peuvent pas être sans lunettes. Très bien. Ça veut dire qu'il faut être obligé de porter lunettes ou du moins de porter une lentille de contact pour le bien, en bon créole. Donc, on est capable de s'arrêter yon myopie, on est capable de s'arrêter yon astigmatisme, on est capable de s'arrêter yon hypermétropie. Bah, c'est une explication sur myopie, parce que myopie sont maladies très courantes en Haïti. Ok. Myopie, c'est yon moun pour une raison quelconque qui n'est pas capable ou loin. Et on ne va pas entrer dans toute cause qui s'est entraîné en myopie. Ok. Mais on n'a pas capable ou loin. Ça veut dire, puisque on n'a pas capable ou loin, on a une affinité pour la vision de près, et ça que là elle a fait lecture, ils ont envie pour le mettre faire là beaucoup plus près, parce que puisque ils ont anomalie pour vision de loin, donc ils viennent ont affinité pour vision de près, donc ils ne savent pas qu'à loin. Donc ils pas l'autre traitement, c'est ou bien ou bien maintenant ils ont lentille de contact,
mais dans pays qui gagne pile poussière bah ça au lieu antigène bah problème. Donc principal traitement c'est on bah on lunette. Mais justement que ça la chirurgie ou capable opérer mon nom, mais c'est des techniques chirurgicales qui pas pratiquées à longueur de journée. Ça qui est plus facile c'est des verres appropriés. Alors myopie c'est une maladie peut-être maladie qui est répandue à travers le monde parce que pratiquement il est établi sur 2020 à bien pratiquement plusieurs mondes sur la terre un mec qui a développé une myopie contre 1,6 milliard il y a pratiquement 10 ans. Exact. Donc pratiquement là on a vivre sur la terre là et chance pour développer myopie alors faut qu'on dise myopie cataracte qui a développé le tout. Cataracte un monde qui a développé cataracte avec l'âge il est capable venir développer myopie. Mais faut qu'on dise myopie et pas seulement myopie toute amétropie et faut qu'on dise yeux les mêmes les grandit avec un rythme qui avec un pile précision les grandit avec un pile précision si on a une anomalie quelconque ou bien en question nutrition ou bien les gens qui sont enceintes on va pour te manger pas manger si on a une anomalie ou bien les grandit trop ou bien les grandit moins et bien ils viennent développer une amétropie. Là nous dit myopie par exemple nous avons parlé tout à l'heure de image qui doit situer sur rétine. Par exemple, les regarder caméra là qui c'est objet là. Maintenant cerveau joindre image là. Pour cerveau joindre ni, c'est image là qui projeté en dans yeux et qui c'est sur rétine là. Maintenant les monde n'a fait myopie plan et les monde n'a fait myopie, ça veut dire monde myope. Donc image là qu'on y a, il pas qu'arriver sous rétine là. Ça veut dire il arriver devant rétine, ça veut dire si me considérer plan même comme rétine là, et ben point image là qui t'a supposé arriver sous rétine là, il arriver avant rétine, il est devant rétine. Donc puisque il est devant rétine, donc c'est voir lui-même les antigènes en difficulté pour voir image là, donc image vient paraître flou. Donc qui ça qu'on a l'obay mon dans lunette qu'on a lunette là, lui aider pour porter image là parce que bon excès de convergence. Ça veut dire tout rayon converger trop, donc il pas arriver sur rétine, il converger avant. Donc on a là ou ba mon lunette qui pour capable diminuer excès de convergence là qui pour faire que image là a le projeter sur rétine. Bon, c'est que nous passons en revue et principales maladies géo nous avons rencontré en Haïti, que nous en Haïti plus ou moins fait face avec eux. Docteur, en entre nos paramètres qui beaucoup plus social en émission. Et nous avons parlé tout à l'heure de bon nègre, nous avons parlé de séparateur de lunettes. Par exemple, ça va marcher par les lunettes tout côté sur la terre. Qui gens et nous-mêmes en d'incorporation, en société haïtienne d'ophtalmologie, capable d'aider justement pour combattre et type de phénomène ça, c'est-à-dire des mouns qui inventent des têtes ophtalmologues parce que les mouns sont pas bon menti, ils ont vraiment en pile dans le pays d'Haïti. Qui j'en ai aidé et pays à gommer contre ça, comment aider la population à tout, identifier bon médecin pour aller faire des examens pour les yeux, pour capable jouer un bon traitement pour éviter aveugle avant l'air. Et alors, il faut qu'on dise que Sosia et son ophtalmologie a fait un pile effort. Et ophtalmologue a fait un pile effort à titre personnel. Mais le véritable travail là, c'est dans l'État. Et en pile fois où l'État n'est pas trop intéressé pour réguler le système. Il y a des collaborations. De toute façon, nous-mêmes qui sommes dans la profession, c'est nous qui sommes dans l'ophtalmologue. Justement. Donc, en pile fois, son sujet est forme de qui très sensible. Pour qui ça? Parce que l'autorité est au courant. L'autorité est au courant, elle va faire rien. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit, si l'autorité qui a une force légitime dans la main, donc li, soit prend le cas de médicaments dans la rue, vous comprenez? Donc si au niveau de la capitale, tout le monde avec des médicaments va vendre dans la rue, donc l'État n'est pas arrivé à Fresnel, donc on va parler de la question de lunettes en ville de province, est-ce que l'État va arriver à Fresnel? Donc son véritable problème qui demande, son problème qui demande pour que ensemble acteurs étatiques qui mettent ensemble pour résoudre lui, et mon cap coûte tout. On comprend donc, second problème de vision ou besoin de lunettes ou besoin d'évaluation ophtalmologique, lui recommander pour aller dans une clinique qui est bien connue, ok, au monde qui est habitué à attendre, on comprend, au monde qui fait confiance, ou bien au monde second zamon qui médecin. Ok, ou gonzan moun kap étudier médecine, ou gonzan moun tout qui gon clairvoyance beaucoup plus avancé, ou dil ki bol te ka conseille pour le consulter. Ok, donc je dis à vous notre problème, parce que j'aime te dire là, ophtalmologie est transversal, gen sa ou li accident, je dis. Donc, le accident fait, gen trois paramètres qui entrent en ligne de compte, gen chauffeur qui entrent en ligne de compte, gen machine, gen route là. Mais, 8 sur 10 accidents faits, c'est chauffeur qui est en ligne de compte. Maintenant, pour mon arrivée chauffeur,
faut avoir un permis de conduire. Mais dans le permis de conduire, il y a des circonstances qui sont livrées dans le pays d'Haïti. Je dis, il y a un monde qui a 18 ans, qui a livré un permis de conduire. Les gens qui ont renouvelé après 5 ans, est-ce que vous avez des gens pour bénéficier d'une autre évaluation? Un monde qui a un permis de conduire à 18 ans, les gens qui ont 50 ans, ils continuent à conduire. Est-ce que chaque fois qu'on a renouvelé chaque 5 ans, il demande à une nouvelle évaluation? Son dit là, c'est un sujet pratiquement l'autre émission. Justement. Donc, docteur Renaud Luguens de Delijac, c'était un plaisir pour nous de recevoir dans Haïti 360. Je pense que c'est une pile précision qui peut être autour de maladie géo. Et ou même qui l'a cas, vous comprenez bien. Avec des jours, il est difficile déjà. Quitte en Haïti ou bien à l'étranger pour vivre. Donc, l'on pas gagné du tout, vivre la vie est encore plus compliqué. Donc, faites tout effort. Je pense que par rapport avec tout ça, le docteur Delijac dit là, ou qui précaution pour prendre. Il y a des maladies, c'est vrai, c'est pas même qui est responsable pour gagner. Mais même l'on pas responsable pour gagner, il y a le docteur. Docteur Ali M. Larbo des conseils avisés pour permettre pour vivre la vie plus bien. Parce que en émission pour là, Haïti 360, tout ça nous souhaite, c'est pour vivre plus bien en société. Bye bye tout le monde, rendez-vous cassé pour l'autre édition.